aujourd'hui à Nadja et Karine. Et le figurant. On parle de ce qui nous énerve en auto. Alors, une des choses qui m'écarte le plus, c'est la propreté de ton auto. C'est quoi? Non, tu veux te brosser les dents? Ben oui. Quoi? Mais regarde. Attends, c'est... check ça. Il y a de tout. Ça, c'est un gant. Un bracelet. Ton téléphone, c'est une... la vieille gomme. Un chasseur de mauvais rêves. Un couteau en plastique utilisé. Hey, c'est mon crayon que je cherchais. Ah, il est tout brisé. C'est un autre gant. Mais non, c'est pas si pire que ça, Nadja. J'ai Tiger Ball. J'ai tout à la portée de la main. J'ai tout à la portée de la main. Regarde, il me manque rien. Tout est là. Ça, c'est clair. C'est vrai que c'est un peu ça. C'est un lubrifiant. Non, c'est pour nettoyer les mains. Puis regarde ça, ça reste là tout l'hiver, tout l'été, c'est toujours là. Ben oui, écoute, c'est pas que tu veux chasser les moustiques, c'est ça? Ben non, oui, non. Regarde, enfin, j'ai même mon ancien téléphone, si jamais l'autre il brise. Son auto est tellement dégueulasse que Monet, elle avait pas le choix. J'ai dit, on s'en allait quelque part, j'ai dit, là on s'en va à côté de chez nous, tu laves ton char, c'est moi qui paye, on le faisait laver. Puis le gars, je vais le voir, je dis, écoute, c'est parce que, quand elle était pas là, là, c'est vraiment, vraiment sage, désolé. Le gars dit, oh, j'ai déjà vu ça. Je reviens, puis il me dit... Mon aspirateur a jamais, vu ça. Il y avait plein de cochonneries. Non, c'est une légende urbaine, c'est pas vrai. Attends une minute, regarde, je vais te montrer quelque chose. Elle s'assume même pas. Regarde, l'abeille. Ah! Elle est morte. C'est elle qui m'a piqué ici, sur la cuisse, tu sais que ça? Enfin, petite abeille. Pour revenir à notre sujet, ce qui nous énerve en chant, je trouve ben, vraiment... tout ce que je fais, t'énerve. Hein? En voiture? Ben non, de ma voiture sale... Oui. Je texte, je me maquille, je mange. Tu fais tout, toi, là. C'est comme... c'est un peu taureau, c'est dangereux. Pas tant que ça, là. Tout ça, je... Moi, je sais que je t'énerve parce que je vais vite un peu. Ouais, ouais, non, non. Toi, c'est la vitesse puis l'impatience avec le monde. Là, je dis, voyons, elle pogne les nerfs après la vieille petite madame, là. Non, c'est pas bien. Mais je suis fine dans la vie. Mais en char, on dirait que je me transforme de personnalité puis c'est comme... Mais puis, le monde, tu sais, comme on s'entend là, en été, ce qui fait le plus suer, c'est tous les vélos qui ne suivent pas les règles du code de la route. Ah, ils ont toujours priorité pareil. Ouais, mais c'est parce que quand tu coupes entre les autos, c'est tellement... j'en vois avec des fois des enfants qui coupent. Ouais. Non, c'est tellement raison, dangereux, raison, là. Puis... Ou même des enfants dans le petit panier en avant, là, même pas attaché, là. C'est hallucinant, là. Comme, faites attention. Je suis pour, c'est hyper écologique. C'est bien mieux de prendre son char. Je suis d'accord, mais faites attention. J'aurais besoin un petit peu plus. Puis vous autres, on veut savoir, qu'est-ce qui vous énerve en auto? Écrivez-nous. À la prochaine. Tes cheveux. Ah!